Auditrices et auditeurs de Voix de Femmes, bienvenue. C'est parti pour le MAG de ce week-end. Très heureuse de vous accompagner durant cette édition. Il fait beau, un grand soleil, des températures agréables, du vent doux et des senteurs du printemps. Restez branchés sur voixdefemmesdz.com. De la musique, de l'actualité et de la bonne humeur. Recevez les salutations du grand Toto à la barre technique. Merci à tous nos fans et nouveaux amis sur notre groupe Facebook de Voix de Femmes. Un grand salut à notre cher fidèle Naïm Bilal. Un coucou spécial aussi à tous les fans de notre page Facebook Voix de Femmes DZ. Si vous avez raté l'une de nos éditions, ne paniquez pas. Vous pouvez tout réécouter sur notre chaîne YouTube via notre site. Tout de suite, la grande Hasna Al-Bacharia, Jazayer Jawhara, un bon choix musical de Toto. Thank you.
dédicace spéciale à Maya Asghar qui nous a partagé de très beaux morceaux de Hasna al-Bacharia sur le groupe de l'équipe Voix de Femmes. Maya est la chef de projet de Resart, l'un des projets phares de l'association Femmes en Communication. Ce réseau est composé d'un nombre important d'artisanes algériennes des 48 wilayas du pays, notamment les zones reculées du pays. Vous écoutez Voix de Femmes depuis Alger. Dans le mag de ce week-end, notre collègue Adel Bouchergine s'intéresse à une revue assez spéciale. Le premier magazine en Algérie dédié aux personnes handicapées. Son directeur Azouz Abdelkader dit avoir investi dans un créneau vierge. Ce magazine apparaît en trois langues, en arabe, en français et en anglais. Restez branchés pour écouter cet entretien réalisé par Adel Bouchergine. Vous écoutez Voix de Femmes depuis Alger et à présent, place aux infos du jour. Et on entame par ce drame qui a secoué la ville de Constantine. Une dame de 71 ans a été sauvagement violée en plein jour par un homme âgé de 39 ans. Cet homme a été présenté avant-hier devant le procureur de la République près du tribunal de Ziaïdia pour répondre du délit de viol sur personne âgée. Les faits survenus au quartier de Koudzette, en plein centre-ville, remontent au début de la semaine dernière lorsque l'accusé, prétextant sa volonté de venir en aide à la vieille dame qui traînait des courses, la menaça quelques instants plus tard avec une arme blanche avant de la forcer à le suivre et en un lieu isolé où il assouvira ses besoins bestiaux. On s'harcèle du rugby pour les filles pour lutter contre le décrochage scolaire. Pour lutter contre le décrochage scolaire, un professeur d'éducation physique du collège Chanterenne de Sarcelles a eu l'idée de monter un projet avec ses élèves filles de l'AS Rugby, organisé à l'automne un tournoi de rugby au Royaume-Uni. Puis un autre à Sarcelles au printemps 2016. En Angleterre, elles assisteront aussi à deux matchs de la Coupe du Monde de rugby qui se jouera là-bas au même moment. Une belle sortie pour vous, mesdames, dans le cadre de l'édition d'Algérire Comédie pour le meilleur et pour le rire, un spectacle 100% féminin, soit belle et tais-toi pas, sera donné le vendredi 15 mai à partir de 16h à l'auditorium du Palais de la Culture. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous écoutez Voix de Femmes depuis Alger. Je vous le disais, Adel Bouchergine a rencontré Aziz Abdelkader, directeur du premier magazine en Algérie dédié aux personnes handicapées. Bonne écoute. Alors, M. Azouz, l'idée de fonder une revue spéciale handicapée, d'où elle est venue, justement, l'idée? D'abord, bonsoir de m'avoir invité sur votre plateau. Je tiens à vous remercier d'avoir pensé à moi. Merci. L'idée m'est parvenue, c'est que c'était ça date depuis très longtemps, quand j'étais à la tête du mouvement associatif dans les années 90, avec le mouvement estudiantin, l'Unia d'Alger. On s'organisait autrefois de faire des petites opérations à petite échelle au niveau des hôpitaux d'Alger, tout ça, donc pour un petit peu accompagner ces personnes en situation de handicap. Avant, on appelait les personnes handicapées. Maintenant, l'appellation a changé. L'idée, c'est déjà une conviction. Oui, c'était une conviction au départ. C'était un groupe, donc c'était une motivation au sein d'un groupe estudiantin. Donc, on voulait faire des belles choses constructives auprès des personnes en situation de handicap. Et puis, la wilaya d'Alger nous a demandé pourquoi ne pas s'organiser en association, groupe associatif, pour être plus fiable et travailler dans les règles de l'art.
tant qu'on a eu l'agrément dans les années 91, autant l'association 8 là, pour handicapés, puis ça c'est dans le travail associatif. Puis depuis les années 90 jusqu'à 96, j'ai courtoyé en parallèle beaucoup d'associations en France à Paris, et entre autres, j'ai courtoyé des publications spécialisées pour personnes handicapées. Justement. C'est de là que mon amie Anne Voileau, directrice générale d'une publication qui s'appelle Être, qui parle sur les personnes handicapées en France, okay, qui m'a encouragé et un petit peu stimulé et motivé d'enchaîner mon travail associatif en travail de communication. Elle voulait dire que ces personnes, ils doivent avoir un espace de communication. Ils doivent avoir leur espace pour en parler, discuter à propos de leurs préoccupations, leur quotidien, les problèmes rencontrés. Très bien. À partir de là, en 96, j'étais à Paris, elle m'a fait un stage au niveau de sa publication, Être, que j'ai beaucoup aimé, et qui traite beaucoup de sujets des personnes handicapées, et qu'elle m'a motivé de rentrer en Algérie, et j'ai demandé l'agrément. En 98 jusqu'à 2003, j'ai eu mon agrément d'éditer une revue dédiée aux personnes handicapées. Très bien. Et depuis 2003, on est constamment sur la publication, sur le magazine, qui parle à 100% sur le monde handicapé en Algérie, comme ici, comme ailleurs, à l'étranger. Donc on s'intéresse à cette frange de société, parce que elle représente 10% de la population algérienne, c'est presque 3,5 millions, c'est une population très énorme, qu'une publication ne suffira pas. Parce que... On arrive à ces questions. Justement, à force de travailler avec cette catégorie, sinon cette frange de la société, quelle est exactement la situation de la femme handicapée aujourd'hui dans notre pays? Vous savez, la femme handicapée en Algérie, c'est une très bonne question, monsieur. C'est que, moi je dirais, une femme en Algérie, c'est un handicap. Une femme algérienne handicapée avec une situation de handicap, c'est double peine, c'est double handicap. Avec le regard de la société, le regard des gens, donc vraiment c'est un regard néfaste, négatif sur la femme handicapée algérienne en Algérie. Et surtout dans les zones rurales. Dans les zones rurales, plus ou moins dans les grandes villes, quand même la femme avec un handicap, elle arrive à s'en sortir. Il y a des femmes qui ont eu l'occasion et la chance d'étudier, d'aller plus loin dans leurs études, et ils sont partis très loin dans les études, même dans le sport. Même dans le sport, il y a des femmes qui s'en sortent très bien. Et c'est des femmes qui sont des champions du monde, que je connais pas mal. Justement, en évoquant les zones rurales et la société dont on se trouve aujourd'hui, y a-t-il encore le tabou chez des familles qui cachent leur fille handicapée, sinon leur femme handicapée? Tout à fait. Et réellement sur terrain, parce que nous on a vécu dans les 40 wilayas, notre devoir, on ne fait pas conviction, notre devoir et notre travail nous oblige d'aller au-delà de la limite, au-delà vers les personnes handicapées qui vivent dans les régions rurales, dans le sud extrême, dans le sud-est, dans le sud-ouest, dans les montagnes, dans les collines. Donc il y a beaucoup de familles qui cachent leurs filles ou bien leurs femmes. Parce qu'ils ont peur, devant la société, devant leur tribu, ou bien leur entourage communal, ou bien village. Ils ont peur d'être marginalisé et d'avoir ce regard qui est négatif envers ces gens-là. Donc, ils ont peur, pas par c'est juste par réputation,
par la cellule familiale, que ne veut pas que se montrer que on a une fille handicapée, on a une femme handicapée. Donc ils cachent toujours ça, et ça c'est par crainte et par peur. Justement, dans le staff de votre revue, qui est l'Azima, oui. C'est non vouloir, oui. En langue française, oui. y a-t-il des handicapés? Bien sûr, il y a pas très longtemps, il y a MBC et moi qui sont venus nous filmer, ils ont fait un grand reportage. On a eu une personne handicapée avec moi, avec la mobilité réduite sur fauteuil roulant, monsieur Hossine, qui est de Mokla, qui est correspondant du magazine Vouloir sur la Kabylie, les auteurs de la Kabylie. Et non, une jeune dame, elle a une polio sur Alger. Elle est chef de département, elle est bien intégrée dans la société, chef de département, son engage clientèle. Elle est correspondante de Vouloir, c'est une personne handicapée. On a Madame Jebab aussi, une très très motivée et instruite. Elle était avec moi sur Paris. Elle a mené le chemin comme moi, ensemble, sur le magazine Vouloir. Elle est francophone. Elle fait beaucoup de belles choses de communication. Elle nous accompagne avec ses articles auprès de ces personnes-là, de véhiculer tout ce qui est information. Donc il y a une équipe qui est vraiment. On a une personne polio aussi, Issa Madani sur Mefter aussi, qui quand même, okay. qui donne beaucoup de belles choses sur. Il a une plume, il parle beaucoup, il écrit beaucoup sur le handicap dans la ville de Blida. Donc quand même, on a beaucoup de personnes. Il y a même des personnes à mobilité réduite qui sont des personnes sportives et qui peuvent évoquer leurs problèmes et qu'ils écrivent pas mal, qui nous envoient des articles à publier. Donc les personnes handicapées sont très très impliquées, ils sont partout. Justement, monsieur Azouz, étant directeur de cette revue dédiée aux handicapés, d'accord. Nous aussi nous sommes une association dédiée aux femmes. C'est bien. Et la radio s'appelle Voix de Femmes, qui bien. Est dédiée spécialement à la femme. Dans votre revue, y a-t-il des rubriques spéciales femmes? Bien sûr. Femmes handicapées? Oui. À chaque fois, il y a des rubriques dans nos contenus, le contenu de Vouloir. À chaque numéro, chaque apparition, il y a toujours soit une association qui défend les femmes, des personnes en général, et des femmes en particulier, des personnes handicapées, et des femmes sportives. On a des femmes sportives qui sont vraiment, qui sont en train de battre des records du monde. Il y a plusieurs. Saifine Nassima, comme Majmej, Nadia. Il y a plusieurs qui sont en train de... Très bien, plusieurs femmes ont relevé le défi malgré le handicap. Malgré le handicap. Elles ont fait face à la société et tous ces tabous. À votre avis, c'est la femme handicapée qui souffre plus que l'homme handicapé? Vous savez, c'est tout dépend... Là, c'est plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en jeu. Par exemple, la femme, elle veut toujours... s'en sortir de son ordinaire, de ses problèmes qui vécu à son niveau. Donc, par exemple, il y a sa fille qui vient d'un village pas très loin de Constantine, mais elle a toujours des pensées positives. Elle veut s'en sortir, elle a lancé un défi, elle a réussi. Donc, le travail est très dur. Donc, c'est relatif, ça reste relatif par rapport à... Des exemples conséquents ou des exceptions? Juste des exceptions? Non. L'exception ne confirme pas la règle. Mais c'est l'handicap. C'est par l'handicap qu'on peut relever, qu'on peut montrer, s'en sortir et prouver son existence. Les femmes, ils passent, pour moi, d'après mon expérience, justement. Ils veulent les femmes, parce que la femme algérienne handicapée, elle est très, très, très mal localisée. Donc elle veut s'en sortir toujours. Elle est toujours elle veut toujours avoir, faire se montrer qu'elle est capable de faire plus qu'un homme handicapé. Parce que les personnes handicapées masculines,
ils sont quand même, ils sont une assurance quelque part, parce que c'est des personnes, c'est des hommes. Très bien. Les handicapés attendent beaucoup de vous, surtout la femme handicapée qui est aujourd'hui, qui est appelée quelque part à relever des défis, à casser des tabous, briser des murs pour s'en sortir, comme vous le dites, et sortir de cette situation d'handicap qui lui limite les choses. Quel est le travail journalistique qu'apporte votre revue pour cette catégorie de femmes handicapées? Nous, on en parle, M. Adel, on en parle tous les temps, tous les jours, tous les moments, tous les temps. Nous, ce n'est pas un travail périodique, c'est limite uniquement pour faire sortir un numéro de période, avec sa périodicité mensuelle. Non, c'est un travail enchaîné. Nous, on en parle tout le temps, tous les jours, on en parle. Nous, on fait des rencontres, on va vers les personnes handicapées, des femmes qui sont partout, que je connais pas mal dans les 40 wilayas. Quand parfois, par exemple, la dernière fois, on a fait une caravane à Timimoun, on a resté une semaine et on a invité les deux sexes et les femmes handicapées étaient présentes en force. Il y avait 40 personnes en général, il y avait 32 femmes. C'est encourageant. C'est encourageant. Ils sortent d'une caravane d'Alger vers Timimoun, restent une semaine, discuter, échanger, faire des échanges d'idées, d'expériences avec par exemple les gens de Sud, de Tinikouk et Timimoun. Les femmes qui sont, on les a fait sortir de leur coquille. On a demandé le maire que les parents de cette région, il faut qu'ils fassent leur travail, leur devoir qui est vital, faire sortir des femmes, leur fillette, leur enfant, leur femme, qu'on discute amicalement entre amis et qu'on change des idées, qu'on donne beaucoup de solutions. A dit quoi pour trouver et donner des expériences parce qu'on avait des femmes. Justement, vous faites des sorties dans l'intérieur du pays. Là, beaucoup même. Et vous organisez aussi des rencontres. Selon nos informations, vous faites aussi un travail humanitaire à partir de votre revue. Sur tout comment ça se fait-il? Comment tout vous, ça. Vous... Notre travail ne se limite pas uniquement sur un reportage ou bien sur une prise de photo et on reste ici. On se limite ici. Non, on va plus loin. On les accompagne pour apaiser leurs tensions, apaiser leurs problèmes, un petit peu soulager les esprits qui vivent toujours dans le calvaire. Et là, c'est une mission qu'on a héritée depuis qu'on était association. On a gardé les mêmes traditions. On aime ce qu'on fait parce que c'est un travail qui va ensemble d'être à l'écoute et donner une éventuelle aide et assistance. C'est très bon. Ça fait quand même une compensation quelque part. Même nous, quand on ramène du matériel... Vous recevez des aides? Bien sûr, on reçoit des aides, du matériel... Comme quoi? Matériel médical et paramédical, et orthopédique, tel que les fauteuils roulants, les matelas anti-escar, les biquets, les déambulateurs, les couches, tout ça. Donc, on a aidé beaucoup de wilayas, même des wilayas, des grandes wilayas, de Sud, de l'Est, de l'Ouest. Nous, on ne se met pas... On travaille pour la différence contre l'indifférence. Nous, pour nous, tout est égal. Et je sais que ces personnes-là souffrent quelque part du matériel orthopédique. Parce que parfois, on trouve une personne IMC, infirmité motrice cérébrale, qui a des capacités intellectuelles extraordinaires, mais ils n'arrivent pas à marcher. Ils partent très difficilement, mais il a d'entrain. Mais il se trouve que dans des quelques conditions difficiles, ne pas accéder à la locomotion. Nous, on est là pour l'aider à lui donner un fauteuil roulant, pour l'aider à bouger, à s'en sortir de sa maison, parce qu'il est toujours cloué sur l'IT. Très bien, très bien. Une dernière question. Le ministère des Transports a affirmé dernièrement que les moyens de transport existant actuellement, comme le tramway et le métro d'Alger, seront équipés par des
comment on appelle ça, des escaliers, sinon pour faciliter le... On était les premiers à rencontrer, parce qu'étant une publication spécialisée qui défend les personnes handicapées, on était les premiers à défendre ce dossier. Avant, c'était un petit peu trop tard par le PDG. Il disait que voilà, pour les anciens projets, c'était validé, et c'était vraiment un tabou pour les handicapés. Il parlait sur la nouvelle stratégie, sur les nouveaux sur les nouvelles stations. Il a affirmé que sur les nouvelles stations, ça va être accessible. Mais pour les anciens, c'était raté. Et j'ai été un petit peu déçu que la prise en charge des normes internationales d'accessibilité, tout ce qui est accès pour personnes handicapées, il doit être à jour. Et donc, avec l'actuel ministre des Transports, c'est réalisable pour les projets futurs. Pour les projets futurs. Oui, mais pour les anciens, il n'y avait pas de prise en charge au plan de l'accessibilité, pour être très clair. Et on a bien abordé ce sujet. Très bien. Une dernière question. Pour les projets de la revue, à moyen terme, si on peut dire, de changer le regard de la société sur la femme handicapée et de promouvoir la personne handicapée en général. Ben, il faut changer ce regard, c'est affirmatif. On doit, c'est une obligation. On doit, par l'ensemble, mouvement associatif, les décideurs, la centrale, tout ça, et les journées de sensibilisation, c'est un tout. Les médias, je suis très certain, ils jouent pas un rôle primordial, les médias en Algérie. Parce que j'ai quand même un petit peu déçu par... On a tendance de parler sur les médias, sur les handicapés, uniquement à la journée national ou international. Il faut qu'on parle tous les jours, tout le temps. Pas occasionnellement. On doit pour qu'on avance. Donc la défense des handicapés ne doit pas se limiter à des dates. Non. Les dates, moi, je suis... Et si on ne doit pas être contre... aussi du folklore. Non. Et aussi éviter les discours... Très bien, monsieur Azouz. Vous étiez avec nous sur Radio Voix de Femmes. On vous remercie. Notre édition arrive à son terme. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, suivez-nous sur notre page Facebook Voix de Femmes TZ. Visitez notre site et laissez-nous vos commentaires. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle édition. Je vous laisse avec cette chanson de l'handicapé de Jane Mansé Cormier, une chanteuse indépendante née avec un handicap. Bonne écoute. C'est une chanson de l'handicapé. C'est une histoire qui vous fera pleurer. Avec tes membres visés, avec mes limites, avec mes barrières quotidiennes. Quand je suis avec toi, Seigneur, vraiment, je n'ai plus peur.
avec des mains brisées. J'aurais pourtant aimé faire ce que font les autres, mais tu m'as voulu ainsi, Seigneur, pour que je puisse donner du courage à d'autres. Et c'est avec confiance que je viens vers toi et je n'arrête pas, car je sais aussi, oui, je sais aussi que tu m'as donné ce que d'autres n'ont pas. Je te remercie du courage de vivre. Aide-moi, je t'en prie, à garder toujours mon sourire. Avec tes membres brisés.